Bonsoir. Alors, je voudrais vous présenter mes excuses pour ce petit retard volontaire. On devait commencer effectivement à 20h45 GMT. Là, il est 23h. Donc, je vous présente vraiment toutes mes excuses pour ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour ce direct, nous avons trois thèmes. J'ai annoncé donc trois thèmes. Le premier thème. Ça va être les soldats ivoiriens détenus au Mali. Le deuxième thème, ça va être le retour manqué de Tidiane Thiam. Et le troisième thème, ça va être la fraude dans les concours de la fonction publique en Côte d'Ivoire. Voilà, suite à une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, où on voit un responsable du RHDP décrire le modus operandi donc des fraudes dans certains concours. Voilà, c'est de tout cela que nous allons donc parler aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vais saluer mes followers. Alors pour ça, il vous suffit juste de dire d'où est-ce que vous m'envoyez, d'où est-ce que vous suivez le direct. Et puis là, nous sommes à 142 personnes connectées. Dès que nous sommes à 200 personnes, on va démarrer. Voilà. Alexandre Aoussou, bonsoir. Ben Fally Soum, bonsoir. Alors, vous connaissez également les principes de mes directs. Vous appelez sur mon WhatsApp 07 07 31 32 82. Donc, je dis bien WhatsApp. Voilà, si vous appelez sur la ligne directe, ça ne marchera pas. Vous appelez sur le WhatsApp 07 07 31 32 82 pour intervenir. Voilà. Vous pouvez également appeler directement, enfin, laisser un commentaire, une question, votre question en commentaire. Et je vous répondrai au cours du direct. Et comme les questions, les commentaires défilent très vite, donc n'hésitez pas à reposer à plusieurs reprises donc vos questions. Voilà. Gagny Dramera d'Abidjan, bonsoir. Ben Fally d'Abidjan, bonsoir. Cissé Smith Auvers-sur-Oise, bonsoir. Boussou Innocent depuis les deux plateaux, mon quartier, bonsoir. Souradji Cissé depuis l'Algérie, Dianke Souari depuis Yopougon, Sila Bazo depuis New York, Général Socrate depuis Sinématiali, Mamadou Fofana depuis Trappes dans le 78. Attends. Voilà, au plus tard, s'il te plaît. Nous sommes à 182, bientôt 200, on va pouvoir commencer. Sila Bazo depuis New York. Maury Doucouré depuis Canton dans le Michigan aux États-Unis. Ousmane Ali Koulibaly depuis Bingerville. Voilà. Donc on grimpe tout doucement. Koulibaly Mustapha depuis Boundiali. Ouédraogo Oumar depuis Abobo-Doumé. Djédié Niaoré depuis Yamoussoukro. Voilà, nous sommes à 204. On va commencer. Alors, on va commencer donc par le premier thème qui est la situation des soldats ivoiriens gardés au Mali, détenus au Mali. Alors, cette situation est triste parce que j'ai l'impression que les autorités maliennes font de ces soldats qu'ils appelaient. Donc, on a vu que les éléments du langage ont changé. Au départ, on parlait de mercenaires. Maintenant, on parle de 49 soldats ivoiriens. Donc, on ne parle plus de mercenaires. Donc, les éléments du langage ont évolué. Pour autant, ils n'ont toujours pas libéré ces soldats-là. Alors, la junte au pouvoir au Mali,
manifestement ne travaille pas à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Parce que le porte-parole de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a confirmé le statut de ces soldats-là. Malheureusement, les autorités maliennes n'ont trouvé rien de mieux à faire que de l'expulser du Mali. Alors, si vous voulez la vérité, il ne faut pas expulser celui-là, puisqu'il est partie prenante. Il a reconnu que ces gens-là étaient connus dans les fichiers de la MINUSMA. Donc, pourquoi l'expulser du Mali? Au contraire, il faut lui demander des preuves. Et il aurait fourni des preuves, mais en lieu et place, on l'a expulsé. Voilà. C'est devenu maintenant un modus operandi des putschistes du Mali. Dès qu'ils sont en conflit avec quelqu'un, ils ont fait la même chose avec l'ambassadeur de France. Voilà. Bon, bref. Le dernier communiqué de l'ONU parle d'un dysfonctionnement administratif. Voilà, d'un dysfonctionnement administratif. L'ambassade d'Allemagne a reconnu l'existence de ces soldats ivoiriens. Donc, il ne fait aucun doute que ce sont des forces régulières, ce ne sont pas des forces mercenaires. Et je peux comprendre que les autorités maliennes se soient trompées, je dirais, de bonne foi, parce que même le gars qui a éventré cette affaire, qui était un douanier, lui aussi, il a été relevé de ses fonctions. Bon, voilà. Donc, ils ont pu se tromper de bonne foi, mais ils sont arrivés à un stade de propagande tel que il est difficile de revenir en arrière. Voilà. Donc, disons qu'ils sont pris eux-mêmes dans l'étau de leur propagande. Voilà. Bon, quand c'est comme ça, il faut donner la chance à la diplomatie de régler ça dans le calme. Voilà. Donc, j'ai bon espoir que dans les jours à venir, ces soldats seront libérés. Et je voudrais demander à nos compatriotes, quand ils vont revenir en Côte d'Ivoire, de leur accueillir, de leur réserver un accueil digne de ces gens qui défendent le drapeau ivoirien à l'étranger. Voilà. Alors, sur ce thème, je ne vais pas prendre de questions parce que je veux faire maintenant des directs très, 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 très courts. Voilà, je ne veux plus faire de directs de plus d'une heure. Donc, l'idéal, ce serait de boucler ça en 30 minutes. Donc, je vais passer au deuxième thème. Le deuxième thème, c'est le retour manqué de Tidiane Thiam. Voilà. Alors, vous savez que vous avez lu les communiqués du porte-parole de Tidiane Thiam. Il devait revenir en Côte d'Ivoire après 22 ans d'absence. Il a quitté la Côte d'Ivoire en 2000, nous sommes en 2022. Et entre autres choses, il devait venir également pour les obsèques du Premier ministre Charles Konan Bani. Bon, malheureusement, il n'a pas pu atterrir. Alors, dans cette situation, on essaie d'avoir des informations. Donc moi, je suis allé à la pêche aux informations. Au départ, je me suis dit, mais pourquoi l'État de Côte d'Ivoire empêche Tidiane Thiam de revenir dans son propre pays? Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on lui a délivré un passeport diplomatique. Il a déjeuné avec le président de la République à son domicile de Mougins. Donc, il n'y avait pas de raison objective pour qu'il ne puisse pas revenir. Bon, alors, on a essayé de fouiller, et on a eu quelques informations. Alors, Tidiane Thiam n'est pas venu. Des informations que j'ai pu recueillir ça et là, et certains médias en parlent également, parce que ses partisans avaient décidé de lui réserver un accueil chaleureux ce samedi-là. Et il a pris donc ses quartiers à Yamsouko, dans un quartier qui s'appelle le quartier Thérèse.
Et juste à côté, pas loin du QG de Tidjantiam, il y a la résidence de Henri Conan Bédier, qui est également à Yamoussoukro, avec une délégation du PDCI pour les obsèques de Charles Conan Bani. Et il semblerait donc que le président Bédier voulait de la tranquillité autour de sa résidence. Et donc ne voulait pas que les partisans de Tidjantiam viennent l'attendre là, viennent faire du bruit, voilà, viennent manifester leur joie qui pourrait être débordante, hein, alors que lui, il est dans sa villa paisiblement. Bon. Malheureusement, Tidjantiam, que je connais, qui est quelqu'un de très méthodique, ils avaient déjà tout pris, tout organisé pour que bon, l'accueil se fasse dans ces lieux-là. Donc, pour éviter donc, de frustrer les cadres du PDCI, de frustrer le président Bédier, qui tenait absolument à ce que l'accueil de Tidjantiam ne se fasse pas dans ces environnements, mais ailleurs. Tidjantiam, dans un esprit de paix, donc, a décidé de reporter son voyage en Côte d'Ivoire. Voilà, les informations qu'on a. Donc, il viendra donc à une autre occasion. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas lié. Voilà, ce ne sont pas les autorités ivoiriennes qui ont empêché Tidjantiam de venir. Voilà. Donc, au moins ça, sur ça, j'ai la certitude. Maintenant, sur les raisons politiques pour lesquelles le PDCI n'a pas souhaité avoir Tidjantiam à ses côtés, n'a pas souhaité recevoir les militants, enfin, je ne dis pas militants, puisque Tidjantiam n'est pas, voilà, n'est pas président d'un parti politique, disons les adeptes de Tidjantiam à leur côté. Et les autorités préfectorales de Yamoussoukro ont même estimé que ça pouvait dégénérer en des affrontements. Bon, en principe, Tidjantiam est PDCI, Bédié est PDCI, donc je ne vois vraiment pas pourquoi ça crée ce problème-là. Pourquoi? Bon, bref, c'est une affaire interne, intra-PDCI, donc je ne voudrais pas m'étendre dessus plus longtemps. Voilà. Alors, je vais passer maintenant sur le. Maintenant, bon, ok, je peux prendre deux ou trois questions sur la question Tidjantiam. Donc, vous connaissez la procédure, hein. Vous appelez sur le WhatsApp 00225 07 07 31 32 82. Vous posez votre question, je vous réponds. Ou alors, vous posez votre question. En commentaire sous le direct, et je le lirai, je répondrai. Voilà. Doumia, donc Bédier ne pouvait pas rester à Daokro ce jour-là. Yangu. Bon, ce que. Des militants du PDCI de Daokro que j'ai joints, des responsables, même pas des militants, des responsables, c'est ce que je vous relate, et c'est également ce qui a été repris dans un certain nombre de médias internationaux, dont Jeune Afrique, ce que je suis en train de vous dire là, voilà. Donc, est-ce que les cadres du PDCI craignent Bédié? Est-ce que les cadres du PDCI reprochent à pardon, craignent Tidjantiam? Est-ce qu'il reproche à Tidjantiam d'avoir déjeuné avec le chef de l'État? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il y a des tensions. Il y a des tensions entre Bédié et Tidjantiam. Bon, espérons que tout cela va s'arranger, parce que ce sont des enfants de la même famille politique. Voilà. La Côte d'Ivoire est fatiguée des guerres. Intestine, hein, et donc il faut passer à un autre stade de la politique maintenant.
Il faut adresser des questions qui intéressent tous les Ivoiriens, comme la question du chômage, la question de la santé, de la corruption, etc. C'est sur ces questions-là que les Ivoiriens attendent nos hommes politiques et non pas sur des questions d'ego. Voilà. Bon, alors il n'y a pas de questions sur ce thème de Tidjantiam. On va passer. Alors, est-ce que M. Tidjantiam est le candidat du PDCI? Je n'en sais rien. De toute façon, pour le moment, le PDCI doit faire une convention. Et je pense qu'à la convention, ils vont élire un président. À leur congrès, ils vont élire un président. Et ensuite, après le congrès, il y a une convention pour désigner le candidat. Voilà. Donc, pour le moment, je ne sais pas si Tidjantiam sera candidat ou non du PDCI. Henri Kwasi, il a été demandé à M. Tidjantiam de délocaliser son lieu d'accueil. Oui, mais une organisation ne se démantèle pas comme ça du jour au lendemain. Voilà, Tidjantiam est quelqu'un de très organisé et s'il a décidé de recevoir ces gens dans ce lieu-là, c'est certainement que depuis longtemps, il a informé les autorités préfectorales, les autorités de police, etc. Et ce n'est qu'un seul, un simple accueil. Voilà, c'est quelqu'un qui arrive en Côte d'Ivoire et ses adeptes ont décidé d'aller l'accueillir chez lui à la maison. Voilà, c'est pas pour faire un meeting ou quoi que ce soit. Et donc, je vois pas pourquoi on doit délocaliser ça. Quelqu'un va recevoir des gens chez lui. Vous dites non, il faut délocaliser. Donc, il va aller recevoir les gens dans un stade. Non, il va recevoir les gens chez lui à la maison. C'est comme ça la tradition africaine. Voilà, je sais pas en quoi ça peut déranger les gens du PDCI. Voilà. C'est si encore c'était une affaire entre PPACI, RHDP, mais c'est tous des militants du PDCI. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens sont si frileux. Voilà. Bon. Moussa Traoré, je pense que Tidjantiam a pris une sage décision. Oui, il a pris une sage décision, bien sûr. Il aurait pu braver ça et puis bon, finalement, ça allait donner de lui l'image de quelqu'un qui va aller à la confrontation, etc. Donc, il a évité la confrontation. C'est une voie sage, c'est une voie sage. De toute façon, c'est son pays, donc il reviendra lorsque les tensions se seront calmées. Et puis, voilà, ses partisans seront là pour l'accueillir. Voilà. Alors, on va passer. Jos, pourquoi vous, Jean Bonnet, n'approchez pas le RHDP pour participer au développement du pays? Je veux participer au développement de la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas participer au développement d'un parti politique. Voilà. Je l'ai dit, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. C'est mon mouvement, c'est ma vision, la Côte d'Ivoire d'abord. Et le développement de la Côte d'Ivoire ne passe pas nécessairement par l'adhésion à un parti politique. Voilà. Lorsque le PDCI était au pouvoir, j'ai travaillé sur les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Lorsque le FPI était au pouvoir, j'ai travaillé sur de gros projets. Donc aujourd'hui, le RHDP est au pouvoir, je peux travailler sur des projets, voilà, mais sans nécessairement être au RHDP. Quand je travaillais sur le pont Rivière Makori, sur l'aéroport, sur ce qu'on appelle les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, je n'étais pas militant du PDCI, j'ai travaillé pour mon pays. Quand j'ai travaillé sur la régulation en Côte d'Ivoire, la régulation du secteur de l'électricité, la loi sur l'électricité et un certain nombre de projets, je n'étais pas militant du FPI. Voilà, je l'ai fait pour mon pays. Donc, je suis prêt à travailler pour la Côte d'Ivoire. Pour le moment, être dans un parti politique, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais oui, j'ai été approché par le RHDP, j'ai été approché par des gens de très haut niveau, voilà, de très haut niveau RHDP, je lui ai dit que pour le moment, ce n'était pas ma préoccupation. Voilà. Ça peut changer demain, ce n'est pas exclu, mais pour le moment, ce n'était pas ma préoccupation. Voilà. Après 22 ans d'absence hors du pays, faut-il conditionner son retour par un accueil chaleureux? Ben oui, quelqu'un qui a fait 22 ans, il a, même si c'est 10 personnes qui viennent l'accueillir, même si c'est 50 personnes, oui, bien sûr, c'est chaleureux. Il y a beaucoup de gens qui aiment Tidjantiam en Côte d'Ivoire. Quand bien même il a fait 22 ans sans venir au pays, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. On voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent qu'il s'engage en politique. Pour le moment, il n'a pas encore dit qu'il s'engageait en politique. Il n'a pas encore dit qu'il avait des ambitions. Mais manifestement, au PDCI déjà... comme on dit, ça tremble. Au PDCI, il y a des gens qui le craignent. Voilà,
C'est ce qu'on peut observer avec ce retour manqué de Tiam Tiam. Ok, on va passer donc à la question des fraudes, à la question des fraudes au concours de la fonction publique. Alors, comme beaucoup d'Ivoiriens, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de vous la faire voir rapidement pour qu'on sache bien de quoi on parle. Voilà. Alina, on peut aller à la gendarmerie, on peut aller à la police, on peut aller au CAFOP. Hein? C'est vous devez monter sur cette formation. Ah, il y a un concours, on a un fils qui vient à trois jeunes gens du village qui veulent concourir. Comment on fait? Moi, par exemple, la directive de la double pour ma nièce. La directive de la double pour ma nièce. Donc, vous faites partie de le principe, quand les gens sont choisis, je vous dis, on a pris notre gars. Donc, on ne savait pas qui a été choisi, qui n'a pas été choisi. Voilà. Donc, dans cette vidéo, il y a l'ex délégué départemental du RHDP à Gagnoa, M. Dambélé, qui se trouve également être le directeur général de l'ADERI, l'Agence de développement du riz de Côte d'Ivoire, qui, dans une déclaration, devant des militants du RHDP, sans aucune gêne, annonce que lui, il a fait rentrer beaucoup de gens à la gendarmerie, à la police, à l'ENA, que sa nièce serait la directrice des concours, la directrice des décos, de la déco. Et qu'il voit à sa nièce, il donne des listes à sa nièce et ces gens-là sont recrutés dans l'administration publique. Mais je suis tombé des nues lorsque j'ai écouté cette vidéo. J'ai été scandalisé lorsque j'ai écouté cette vidéo. Alors, vous savez que depuis un moment, j'ai fait de la lutte contre la corruption, mon cheval de bataille en Côte d'Ivoire. Parce que la corruption est une gangrène. La corruption est un fléau. La corruption fait que des étudiants, des élèves brillants ne peuvent pas accéder à certains postes dans l'administration parce que ils n'ont pas les moyens de payer pour être inscrits sur les listes. Et avec la ministre Anouloto, on a pensé que ce fléau-là avait été complètement éradiqué. Et voilà que ce monsieur Dambélé, directeur général de l'ADERI, vient nous informer que non, lui, la directrice de la déco est sa nièce et que par son entremise, il fait rentrer des gens donc dans l'administration ivoirienne. Mais c'est scandaleux. Arrête, Aya. C'est scandaleux et on ne peut pas se taire sur ça. On ne peut pas se taire. Alors, comme d'habitude, avant de prendre position sur un sujet, j'essaie de m'informer. Voilà, j'essaie d'instruire, voilà, je suis les juristes, d'instruire le dossier, d'avoir le maximum d'éléments à charge et à décharge. Parce que si vous dites des choses fausses, si vous faites des fausses accusations, ça s'appelle de la calomnie, on peut vous poursuivre pour ça. Ça s'appelle de la diffamation, on peut vous poursuivre pour ça. Donc pour ne pas vous mettre sous le coup de la loi, il faut être sûr de ce que vous dites. Et donc, comme dit Alassane, ça fait froid effectivement dans le dos, ce que ce monsieur a dit. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur était en campagne
c'est le délégué départemental du RHDP de Gagnoua sortant. Et il était en campagne et c'est dans le village de Galébré. Et devant des militants du RHDP, pour se faire élire, il essaie donc d'impressionner les électeurs en leur faisant croire que lui, il peut les faire entrer donc dans l'administration, parce que sa sœur, sa nièce serait la directrice de la DECO. Voilà le contexte dans lequel il a fait cette déclaration. Mais en même temps, on voit que celui qui filme n'est pas du tout caché, ce n'est pas une caméra cachée. Donc, il n'est pas gêné de faire une telle déclaration. Alors, je voudrais interpeller plusieurs personnes. D'abord, je voudrais interpeller le président du directoire du RHDP, M. Kafana. Voilà ce que l'un de vos directeurs départementaux vient de déclarer. L'un de vos candidats, ex-délégué départemental, vient de déclarer. Allez-vous prendre une sanction contre cet individu ou alors allez-vous laisser passer ça en perte de profit. Si vous ne prenez pas de sanctions contre cet individu, sanctions politiques, j'entends, alors on aura compris comment le RHDP fonctionne. Ce sera un signal fort que vous auriez envoyé aux Ivoiriens qui avaient des doutes sur le fonctionnement du RHDP. Donc, on vous observe et on verra quelles sont les sanctions politiques qui seront prises contre ce monsieur. Je voudrais ensuite interpeller le Premier ministre, M. Achille Patrick, et à travers lui, le ministre de l'Agriculture. Voilà le directeur général d'une administration publique qui avoue, qui déclare, qui annonce publiquement que lui, il a procédé à des actes de corruption. Publiquement. Évidemment, il ne s'attendait pas à ce que ce soit vulgarisé, divulgué sur les réseaux sociaux, mais les faits sont là aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre chargé de la bonne gouvernance, croyez-vous que vos discours sur la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, sur la corruption en Côte d'Ivoire, vont encore avoir un impact sur les populations, sur ce monsieur-là demeure à son poste après ce qu'il a dit? Croyez-vous franchement que les Ivoiriens vont encore vous croire que vous êtes en train de lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire alors qu'il y a quelqu'un qui est venu se livrer mains et pieds à vous et qu'il est resté à son poste? Alors, cette affaire vient d'éclater. J'espère que dans les jours, les heures qui suivent, on aura une sanction politique, donc venant du RHDP. On aura une sanction administrative venant du Premier ministre, du ministre de l'Agriculture, du ministre de Zorobi chargé de la bonne gouvernance. Et enfin, je voudrais interpeller le procureur de la République. Je voudrais interpeller le procureur de la République. Voilà quelqu'un qui se dénonce publiquement. Il dit qu'il va voir sa nièce, il lui donne des listes pour faire rentrer frauduleusement des gens dans l'administration. Monsieur le procureur, vous ne pouvez pas rester insensible, indifférent, impassible devant cela. J'espère donc
qu'il y ait une instruction qui est engagée pour qu'on puisse savoir quelles sont toutes ces personnes-là qui ont pu bénéficier des faveurs de la générosité de ce monsieur et qu'on puisse dénombrer donc toutes ces personnes qui infestent notre administration par ses voies. Madame la directrice de la DECO, la directrice de la DECO dépend de la ministre Mariatou Kouné. C'est une dame que j'aime bien. Mais vous aussi, vous êtes interpellé parce que la DECO est sous votre autorité. Une de vos collaboratrices a été mise publiquement en cause pour une affaire de corruption. On attend un communiqué de votre ministère pour nous situer sur la véracité de ces faits. Et si ces faits sont réels, quelles dispositions prenez-vous pour que en Côte d'Ivoire, il n'y ait pas ceux qui sont militants du RHDP et qui ont le droit de rentrer dans l'administration, et ceux qui ne sont pas militants du RHDP, qui, bien que brillants, n'aient pas le droit de rentrer dans l'administration. Je vais vous dire une chose, je vais vous faire une confidence. J'ai été directeur départemental de campagne de Gbagbo de 2004 à 2010. Et de nombreux jeunes de Dimokro venaient me voir pour me dire « Ah, monsieur Bonnet, ah, monsieur Bonnet, ah, DDC, vraiment, on veut rentrer à la police, on veut rentrer à l'ENA, arrête, arrête, on veut rentrer à la gendarmerie. Telle personne a des listes, tel ministre a des listes, on est au courant que tel autre directeur de campagne a des listes. Il y en a qui viennent. On a des amis de telle organisation estudiantine qui sont rentrés l'année dernière. C'est tel ministre, c'est tel individu qui les a fait rentrer. Vraiment, Jean Bounet, il faut nous aider. Je leur ai dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et il y a beaucoup de gens qui m'en ont voulu pour dire Jean Bounet est méchant. Jean Bounet ne rend pas service. Franchement, si je peux vous donner 1000 francs, je vais le faire. Mais ne me demandez pas d'aller vous inscrire sur une liste alors que vous n'en avez pas les compétences. Vous n'avez pas les compétences. Je suis rentré au Bennett suite à un test de sélection. Et pourtant, Tidiane Thiam est un ami. Mais il m'a fait passer le test de sélection. Je suis rentré comme directeur juridique à la NARE suite à un appel d'offres internationales. Recruté par Ernst & Young Paris. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a fait rentrer là-bas. Je devais rentrer sur un projet de la Banque mondiale, recruté par la Banque mondiale au PAPH. Appel à candidature. Je n'ai jamais été nommé par un parti politique. Je n'ai jamais bénéficié d'une nomination administrative d'un parti politique. Donc, je ne vois pas pourquoi, simplement parce que je suis proche d'Afi Nguessan, parce que je suis directeur de campagne de Gbagbo, je vais faire comme les autres qui profitent de leur proximité avec tel ministre pour aller inscrire des gens qui n'en ont pas le niveau. J'ai toujours refusé cela et personne ne pourra vous dire en Côte d'Ivoire, Jean Bounet a fait ça. J'ai toujours refusé cela parce que je trouve ça abject. Je trouve ça abject. Aujourd'hui, vous avez des enseignants qui ne savent même pas faire une phrase correcte. Vous avez des commissaires de police, des préfets, des sous-préfets qui sont issus de ces filières mafieuses-là, qui aujourd'hui gangrènent notre administration. C'est le résultat de tous ces réseaux mafieux-là. Et donc moi, je ne peux pas me prêter à ça. Et donc, j'ai été choqué quand j'ai écouté cette vidéo de M. Dembélé, directeur général de l'ADERI, délégué départemental sortant du RHDP.
Et donc, franchement, j'espère qu'il y aura une suite judiciaire à cela, une suite politique, une suite administrative. En tout cas, les Ivoiriens vous regardent et on espère que nous n'allons pas être déçus. Parce que tant qu'on n'a pas une réponse appropriée à cela, ben, nous allons parler de cette affaire-là. Nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. On va en parler tous les jours jusqu'à ce qu'on nous, démontre que la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire n'est pas juste un slogan, mais est une réalité. Voilà. Donc, j'ai fini sur cette thématique. J'attends vos questions maintenant. Merci. Alors, attends, va voir Tata. J'attends vos questions maintenant. Donc, vous connaissez, vous pouvez appeler le 07 07 31 32 82 sur le WhatsApp pour poser vos questions. Voilà. Vous avez tellement raison. Toutefois, est-il possible que quelqu'un qui a les compétences pour un poste soit aidé pour intégrer un poste? Non, si vous avez des compétences, vous n'avez pas besoin d'être aidé. Vous passez le concours comme tout le monde. Voilà. Vous passez le concours comme tout le monde. Si tout le monde doit profiter de ses relations avec tel ministre, tel responsable de parti pour pouvoir rentrer dans l'administration, mais imaginez ceux qui sont compétents et qui n'ont pas ça. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans Côte d'Ivoire? Donc, il faut qu'on mette fin à ces pratiques-là qu'on pensait complètement révolues en Côte d'Ivoire. Adama Askia, je comprends pourquoi la filière RI ne va pas. Ben, évidemment, un monsieur comme ça ne peut pas diriger une société d'État, ne peut pas diriger une filière aussi importante que le RI en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis outré, je suis choqué. Je suis choqué. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, c'est M. Jean Bonnet? Oui. Vous êtes en direct? Oui, vous êtes en direct, allez-y. J'aimerais intervenir par rapport à votre, au point que vous avez soulevé. Allez-y. C'est surtout par rapport à la corruption. C'est oui. Juste une question, juste pour savoir si... En Côte d'Ivoire, par exemple, oui. Est-ce qu'il y a une loi oui. qui régit la corruption, qui donne un truc judiciaire à la corruption, comme par exemple en France, la loi Sapin 1, Sapin 2, oui. Par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs lois, il y a le code pénal qui punit la corruption. La corruption comme quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui est témoin d'un acte de corruption, oui. qui peut le reporter ou bien qui peut porter plainte sur l'incident. Bien sûr, bien sûr. Ok. Merci. Ça fait de deux. Oui. De deux. La procédure, par exemple, pour tenir, comment ça s'appelle, les hautes autorités ou bien les structures qu'on a mis en place contre la corruption. Oui. Pourquoi ces structures-là n'arrivent pas à être actives, n'arrivent pas à s'auto-saisir des dossiers comme ce que vous venez de présenter aujourd'hui? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, nous autres qui venons de temps en temps sur les réseaux sociaux et qui avons fait de la mauvaise gouvernance, la lutte contre la corruption, notre cheval de bataille, nous allons les dénoncer. Nous allons amener les autorités à prendre leurs responsabilités. Parce que ce n'est pas normal que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un haut responsable de l'administration vienne affirmer, déclarer publiquement que lui, il s'adonne à des actes de corruption. Voilà. Il doit y avoir une suite judiciaire, ça ne peut pas rester impuni. Voilà. Voilà. Pour cette suite judiciaire, par exemple, ouais. Qui peut s'auto-saisir de ce dossier? Le procureur de la République. Le procureur de la République peut. De la oui. De la citoyen peut porter plainte, c'est ça? Bien sûr. Tous ceux qui ont des ONG, de la société civile, donc peuvent porter plainte. Voilà. Peuvent porter plainte. Un individu de la société civile. Non, pour en droit, pour porter plainte, il faut y avoir un intérêt.
Voilà, donc une association de lutte contre la corruption, une association de consommateurs ou une association de la société civile qui promeut la bonne gouvernance a intérêt donc à porter plainte contre cet individu, oui. Et nous n'en avons pas en Côte d'Ivoire. Ben il y en a, je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Moi, je suis en France en ce moment. Si j'étais en Côte d'Ivoire, j'aurais porté plainte contre ce monsieur. Voilà. Donc j'encourage toutes les associations de la société civile qui œuvrent pour la bonne gouvernance, qui luttent contre la corruption, à porter plainte contre ce monsieur. Voilà. Ok, Merci. d'accord, merci. Bon. Ok. Mamadou Meïté. Attends, aïe, je suis en direct. Les gars, occupez-vous de lui. Allô? Allô? Oui, allô, Monsieur Jean Bonnet, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous suis régulièrement et je suis beaucoup intéressé par tout ce que vous faites au nom de la Côte d'Ivoire pour aider le pays à évoluer. Et là, ce soir, le thème, il est tellement, tellement intéressant que, voilà, sur ce sujet précis sur lequel vous venez, en tout cas, de donner des informations sur le sujet d'Amélie, je suis d'avis qu'effectivement, les aspects, on va dire, administratifs et politiques puissent être examinés. Mais par contre, l'aspect juridique que vous avez évoqué, en tout cas les poursuites judiciaires et les ramifications qui Oui. peuvent aller jusqu'au complice éventuel, j'ai une crainte à ce niveau parce que je me dis que, au regard de la loi actuelle ivoirienne, si le monsieur reconnaît qu'il a juste menti sur la directrice de la DECO, ça va être compliqué pour suivre les ramifications. Par contre, lui-même, du fait de ses propres déclarations, je pense qu'effectivement, le procureur de la République peut s'auto-saisir de la question. Mais à supposer qu'il déclare que oui, j'étais en campagne, je voulais juste bluffer, j'ai juste menti. Pour ce que je sais du droit positif ivoirien, le mensonge, il n'est pas puni en Côte d'Ivoire. Par contre, oui, je suis d'accord que politiquement, il faut absolument l'interpeller, le mettre devant ses propres déclarations pour qu'il justifie qu'est-ce qui a pu faire qu'il aille dire des choses comme ça, parce que ça salit l'image de la Côte d'Ivoire de toute façon. D'accord. Alors, Voilà. en droit, ce n'est pas un Oui. mensonge, c'est de la diffamation. Il a diffamé quelqu'un. Voilà, il a Oui. menti sur une dame qui est la Oui. directrice. Donc, il n'y a pas que lui qui est en cause, il y a également cette dame. Exactement. C'est à Voilà. elle, je pense, quand Et je donc, parle de mensonge, justement. voilà. Donc, c'est une, c'est soit une dénonciation calomnieuse, c'est soit une Oui. diffamation. Donc, ça, c'est l'enquête qui va situer ça. Donc, OK. dans tous les cas, que ce soit un mensonge qu'il ait fait pour une campagne, mais il a impliqué un tiers dedans. Il a impliqué un tiers qui est cette dame-là. Voilà. Il est même allé jusqu'à parler de l'école de police, de gendarmerie. Donc ça implique tous ces gens-là. Exactement. Voilà. Donc c'est soit de la diffamation ou d'une dénonciation calomnieuse. Et donc ça ne peut pas rester sans suite. OK. Je suis parfaitement d'accord que de la qualification va dépendre la possibilité, Exactement. effectivement, de Ouais. saisir toutes ces personnes. Merci beaucoup pour votre intervention et Merci bon bien. courage à vous. Merci. Alors, le numéro pour appeler, comme Ibrahima vient de le mettre, c'est un numéro ivoirien, 0707 31 32 82. Voilà. Bon, ok. Je prends une dernière, un dernier appel et puis on arrête le direct. Oui, allô? Bonsoir, monsieur Jean-Brel. Oui, bonsoir, monsieur. J'espère que vous êtes en direct. Oui, vous êtes en direct. Ok, c'est moi, c'est monsieur Konadi, je suis à Belois. D'accord. Par rapport au cas de monsieur Dembélé, Oui. je pense que je ne suis pas un juriste, Oui. mais le fait même de dire déjà qu'il est capable de faire rentrer des gens. Et dans des structures par rapport à ses relations, je pense que, à part du moins, il a cité même des noms, l'école de police, l'école, ceci, je Ouais. pense qu'il doit être poursuivi. Il doit être poursuivi. Bien sûr, Et bien sûr. ces personnes indiquées doivent le poursuivre. C'est ça.
Et là aussi, voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. Non, non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il a cité énormément des gens, donc soit il dit la vérité et ces gens-là sont des complices, soit il ment et ces gens-là doivent porter plainte contre lui pour se disculper eux-mêmes. Absolument. Ouais. Il ne faut pas qu'ils soient au courant. Absolument, absolument. Merci pour votre travail. Parce que sincèrement, je vous suis depuis ce temps. Ok. Vraiment, bonne continuation et beaucoup de courage. Merci. Je sais que vous allez faire beaucoup d'ennemis, mais je vous invite à continuer votre travail. Merci bien. Pour que la Côte d'Ivoire avance. Merci bien. Voilà, donc 23h54, on va arrêter dans 5 minutes, donc il sera minuit en France, 22h en Côte d'Ivoire. Donc je prends vos questions en direct, 07 07 31 32 82, ou les questions que vous laissez en commentaire. Oui, allô? 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 Oui? Oui, bonsoir, c'est Monsieur Jean Bonnet? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct là? Oui, vous êtes en direct, allez-y. Ok, en fait, moi, c'est pas juste. C'est pas une intervention, une question. En fait, c'est juste vous féliciter pour tout ce que vous faites à éveiller les consciences des gens et toutes vos analyses. Vraiment, je les suis pertinemment. Vraiment, vos analyses sont vraiment pertinentes. Merci. Et moi, c'est juste vous remercier et vous féliciter pour tout ce que vous faites. Hein. Merci. Mais moi, je vais pas monopoliser l'antenne. Vraiment, je voulais vous remercier beaucoup, beaucoup. Merci, grand frère. C'est vraiment gentil ce que vous faites. Merci. Et bonne soirée merci. À vous. Bonne émission. Merci. Alors, Christophe Kragbenyambe, la corruption est systémique dans le pays. Pourquoi les Wororo et Baka et Semidian n'ont pas de visite technique? Pourquoi? Oh là là, c'est déjà passé, j'ai pas pu lire. Pourquoi le fonctionnaire doit attendre le rappel avant son premier salaire? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, je voulais revenir, si vous permettez, bien évidemment. Je vous en prie, allez-y, vous êtes en direct. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Voilà, donc je voulais juste dire la déclaration du monsieur du RHDP. Oui. Concernant la corruption. D'accord. Ça semble être un aveu de corruption. Mmh. C'est ça? C'est ça. Bon, maintenant, une fois que le monsieur il a dit ça, là, mmh. Qu'est-ce que les autorités qui sont en charge, parce que vous parlez du Premier ministre, vous avez parlé de toutes les autorités qui sont en charge de ça, qu'est-ce qu'elles font concrètement? Mmh. Voilà, ça veut dire la HABG. Oui. Ça veut dire également le ministre de la bonne gouvernance, M. Zoro Bibalo. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, allez-y. Voilà. Donc, j'ai un peu le sentiment que dans cette affaire de lutte contre la corruption, là, oui. Il y a beaucoup de choses qui se chevauchent. Mmh. Il y a le ministère de la bonne gouvernance, il y a la HABG, il y a tout un tas d'institutions qui sont en place. Voilà, d'institutions et de mécanismes même qui sont en place. Pour moi, là, je pense que tous ces mécanismes-là gagneraient à se mettre ensemble pour avoir une politique commune pour lutter contre la corruption. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est question institution. Mm-hmm. Maintenant, nous-mêmes, en tant que citoyens, vous, moi et tous ces gens-là, on dénonce toutes ces choses-là, mais alors qu'il y a des mécanismes qui sont là pour porter plainte contre ça. C'est vrai que le procureur pourrait peut-être se saisir d'office. Mmh. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Vous, par exemple, vous avez dénoncé ce monsieur-là. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Moi, je vois des cas de corruption. Qu'est-ce que je fais concrètement? Tout le monde, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de dire le gouvernement doit faire ça, le procureur doit faire ci. L'État a mis en place un ensemble d'outils qui nous permettent d'aller lutter contre ça. Mais nous-mêmes, personnellement, on fait quoi? Monsieur Bonnet, oui, tout ce que vous faites, c'est super intéressant. Hein?
Mais je dis qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne notre part de responsabilité. L'État a mis des choses en place. Il faut que nous, on le challenge. Il faut le challenger. OK. On le challenge pas. Donc, il faut le challenger. Vraiment, c'est, voilà, je vous remercie pour cette opportunité. Merci. De dire ça. Oui, allô? Allô? Bonjour, Bonheur. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, sur le sujet de la corruption, oui. il y a un aspect que j'aimerais relever, hein, parce que c'est quelque chose qui fragilise tout ce qu'on peut mettre en place comme politique de j'allais dire, pour combattre la corruption, c'est le népotisme. Mm-hmm. C'est le népotisme. Dans les faits qu'on a suivis, vous avez vu, il a dit que c'est sa nièce. C'est ça. Ouais, et lui, il est forcément le neveu de quelqu'un de haut placé également. Et ainsi de suite. Tant qu'on aura une gouvernance qui est imprégnée de népotisme, il sera difficile de sanctionner les neveux, les nièces, les cousins, les frères, les enfants et autres. C'est ça la faiblesse de notre système. Mmh. C'est le népotisme qui gangrène notre administration. Mmh. Personne ne peut sanctionner son neveu. Dans le pire des cas, on va le déplacer et on va le mettre ailleurs. Mmh. Il est à la ADRI aujourd'hui. Demain, on va le dépasser, on va le mettre à AD, je sais pas, AD 1000. Il va aller gérer le 1000 ou le sorgho. Oui. Donc, c'est ça le problème. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que ils savent qu'on ne peut rien leur faire. Et c'est pas n'importe qui. C'est des gens du RHDP. Ils savent qu'on ne peut rien lui faire. Quand il va se retrouver à la rue Le Pic ou dans leur conclave de RHDP, ça va être géré en famille, là, et puis c'est fini. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment la faiblesse de notre système, c'est celui-là. D'accord. En tout cas, merci pour votre... J'avais dit, c'est peine perdue à la limite. Non, c'est pas peine perdue. C'est pas peine perdue. C'est pas peine perdue. Il y a pas de... Les batailles qu'on perd, c'est les batailles qu'on n'a pas menées. Voilà. Donc, il faut mener. C'est vrai que ça peut être dur, mais il faut mener. De toute façon, pour le moment, il est présumé innocent. Pour le moment, il est présumé innocent. J'ai situé le cadre dans lequel il a fait cette déclaration. Mais ce sont des déclarations qui sont assez graves, parce que ce sont des déclarations diffamatoires. Et donc, soit il était en train de mentir à ses militants pour avoir leur suffrage, mais dès l'instant où quand même il implique sa nièce qui est directrice de la DECO, ça devient une dénonciation calomnieuse. Voilà, ça devient un acte de diffamation. Et donc, il la met en cause. Alors, il y a deux possibilités, voilà. Soit elle fait une déclaration pour dire que elle n'est concernée ni de près ni de loin par cette affaire, et alors c'est un acte de diffamation et il faut que il y ait une plainte qui suive. Mais ça ne peut pas rester comme ça, compte tenu des fonctions que ce monsieur occupe au sein du RHDP. Ça ne peut pas rester comme ça. Voilà, il y a une enquête qui doit être menée. Et on doit avoir les résultats de cette enquête-là. Voilà. En tout cas, merci pour votre... Merci à vous. Merci. Merci à vous. Voilà, chers amis, il est minuit, une minute. Je vous remercie pour ce direct. Lorsque la situation l'exigera, je reviendrai encore devant vous. Bonne soirée à tous.